Ah, y a pas à dire, hein, ce thème principal, je trouve qu'il envoie, moi. Hein? Je trouve y a quelque chose, je trouve que ça pète bien. Franchement, ça pète bien. Puis les choristes derrière, ça fait toujours mouche. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur Arcania Gothic 4. Alors bon, on est toujours en plein mois d'août, hein. Donc je vous ai dit, on reprendra pas les grosses vidéos avant un petit moment. Peut-être que ça reprendra peut-être milieu de la semaine prochaine, je sais pas. Ça dépendra de mon humeur, peut-être que même avant, peut-être plus tard. En tout cas, ça redémarrera à la rentrée, ça c'est sûr, c'est dernier délai. Mais je me connais, à mon avis, ça redémarrera bien avant. Mais j'ai eu envie de continuer, putain, écoutez-moi ça. Oh putain, ça envoie, hein, décidément. J'hésite même à aller jusqu'à la fin de ce jeu. Parce que oui, bon, là on est mi-août. Pour tout vous dire, j'ai pas de vidéo de fête encore. Mais j'avais envie de continuer ce jeu qui est Arcania Gothic 4. Et pour tout vous dire, je me suis dit, bah pourquoi pas le capturer en même temps. J'ai du temps devant moi là, donc. Autant en profiter, et puis si ça peut me permettre de vous montrer un petit peu plus de ce jeu en même temps que je le découvre, ça peut être tout bénef. Ça peut être vraiment tout bénef, d'autant que, comme je l'ai dit, ce jeu me donne envie de continuer. Ce jeu me donne envie de continuer, donc là, on va reprendre exactement au même endroit où on s'était arrêté dans la vidéo... Dans la vidéo précédente. Bon, c'est ça le seul souci du jeu, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le framerate, quoi. Le framerate qui pique les yeux, mais bon, c'est quoi, au final, moi maintenant je m'en fous. C'est quoi, c'est pour ce jeu-là, je trouve que étant donné que ce jeu dégage une certaine puissance, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je trouve qu'il dégage quelque chose, ce jeu, et du coup j'ai envie de continuer, et je suis même prêt à faire abstraction du framerate totalement pourri pour pouvoir continuer à l'apprécier, ce jeu. Donc à mon avis, c'est ce qu'on va faire. Oh, ça ne va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Ah oui, c'est... Ouais, c'est... Mais non, mais c'est parce que... bon, on va mettre fin, fous-moi la paix. Non, parce que j'ai fait la même connerie que dans Skyrim. Je ne déconne pas. La même connerie que dans Skyrim. Autrement dit, dans Skyrim, quand on arrive dans une petite devant une petite auberge comme ça, et qu'on voit un poulet qui traîne là, qu'est-ce qu'on fait? Ben on bute le poulet. On le bute, ce poulet. Là, ça a été ma première comment dire, ça a été ma première ma première prime dans Skyrim. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il va falloir que je recommence certaines quêtes. Tiens, c'est chelou ça. Ah, Gaza, de nouveaux amis, de nouveaux ennemis, qu'est-ce que c'est que ça? D'Artan doit mourir. Oh putain, et vous savez quoi, j'ai l'impression que ça a pas sauvegardé. Non. Oh merde, ça a pas sauvegardé. Oh merde, j'ai l'air con là. Bon, attendez, charger une partie. Niveau 4, niveau 3, niveau 5. Ah bah voilà, maintenant, mais ça doit être ici, parce que là, je suis à combien? Là, j'ai pris celle-là, 1h43 de jeu, et celle-là, 2h17. Bon, attendez. Attendez, on va charger celle-là, parce que, attendez, ça m'étonne, là. Eh, j'ai pas envie de me refaire absolument tout ce qu'on a fait, hein. Ah, voilà, mais c'est ça. C'est ça, voilà, on s'était arrêté ici. Eh ben, c'est impeccable. C'est parfait, on va pouvoir continuer. Putain, les arbres, ils sont en mouvement et tout. Parce qu'il y a du vent, putain, ça aussi, c'est énorme. Non, alors,
On va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a à faire. Gothic Tale, ça c'est la quête principale. Bolet de fer. Ah oui, il faut récupérer des bolets de fer pour Murdra. Alors c'est où ça? Alors les bolets de fer, putain, moi qui croyais comme un jeune con, je pensais que c'était des espèces de petits bols. Mais non, ça n'a rien à voir. Les bolets de fer, apparemment, c'est des champignons. Il y en a par ici, je crois. C'est que ça. On peut le taper, ça. On peut le taper. Fourmi carnivore. Eh putain, c'est de la grosse fourmi, ça, messire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Chair de cafard géant. Bah, c'est un cafard ou une fourmi? Putain. Il faut savoir. Bon, ici, il y avait un coffre. C'est la madame qui m'a dit tout simplement d'aller à un endroit parce qu'il y avait des bolets de fer. Mais c'était où déjà? Putain, je sais plus. Alors, bolets de fer. Modra compte piégé, garde postée, porte du camp. A besoin de quelques bolets de fer de l'ancienne mine située à l'ouest du roc au sanglier. Au sud de la Vierge fendue. Putain, la Vierge fendue. Ça, c'est un truc digne du donjon de Nahulbeuk, ça. Ah, un petit peu de café, tiens, pour tenir. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être 1 heure, peut-être 2, j'en sais rien. Je m'en fous. Alors, donc du coup, alors c'est à l'ouest du roc au sanglier, au sud de la Vierge fendue. Alors la Vierge fendue, c'est quoi déjà? Alors, regardons la carte. Alors, la Vierge fendue, où est-ce que c'est ça? Affiche-moi l'endroit. Oh! Afficher l'endroit. Alors c'est ça, la Vierge fendue. Bah la Vierge fendue c'est ça? C'est le nom de l'auberge. La Vierge fendue. Au ras des goûts lubriques. Ah ouais. Effectivement, c'est accueillant. Bah ça doit être ça. Bon par contre j'aurais bien aimé que... Bah qu'il fasse jour là. Oh, putain, je peux pas y aller? Il y a un mur invisible ici? Mais non. Hop là. Alors c'est donc le nom de l'auberge, la Vierge fendue. Mais où est-ce que c'est indiqué ça? Où est-ce que c'est indiqué? Ah bah d'accord, mais j'ai juste à regarder là. Regardez en haut à gauche l'insigne. Ça parle. Vierge fendue. D'accord, donc c'est direction le sud. Et le sud, c'est par où le sud? Parce que la carte est assez mal fichue. Bah, c'est par là. Ouais, c'est par ici, le sud. Le sud, c'est par là. Putain, c'est bizarre. C'est exactement à l'endroit où on était, dis donc. Donc apparemment, au sud de la Vierge fendue, à côté du roc, à l'ouest du roc, ils ont dit. C'est à l'ouest du roc au sanglier. D'accord. Le roc au sanglier, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Putain, là je vais être content parce que là j'ai l'impression que mon micro a l'air gentil. Il fait pas de gros pics. Par contre, j'ai l'impression que je suis obligé de gueuler pour me faire entendre. Bon, je pense que j'arriverai à bien calibrer le son. Au pire, ce sera à vous d'augmenter le son. Voilà. Donc au sud. Bonjour monsieur. Qui c'est ça? Est-ce que c'est un ennemi? Non. Ah, mais c'est Lorne. C'est à lui que je dois récupérer une jambe de bois! La fameuse jambe de bois! Bon, par contre, je sais pas où est-ce qu'il faut aller la récupérer. Alors, le roc au sanglier. Alors, vers la Vierge fendue, c'est par là-bas. Quel est... Putain, les ennemis restent! Putain, je vois ça, les ennemis restent! Ça, c'est cool, ça! Ça, c'est direction Toshu! Ou Toshu! Ou Tosho! Enfin, j'en sais rien! Je sais pas. Ça y est, il se remet à pleuvoir encore? Et il pleut et de nuit. Donc c'est ça le roc au sanglier? Je ne sais pas. Mais écoutez, on va aller par là-bas. Hein. On va aller par là-bas, comme ça nous fait visiter un petit peu. Hop là. Oh là là, le sol qui s'humidifie et tout. Puis il s'humidifie au fur et à mesure en plus. Hein. Vous avez vu, c'est... Il y a des beaux détails. Hein. Oh, quel dommage. Mais j'ai vu... Alors j'ai vu, c'est Aitopi qui m'a montré ça. Apparemment, ce jeu est disponible sur PC. Sauf que le jeu sur Steam ne s'appelle pas Arcania Gothic 4. Il a juste pour nom Arcania.
Et il coûte une vingtaine d'euros. Bon, 20 euros, c'est peut-être un petit peu cher, mais je dois vous avouer que j'ai bien envie de les débourser, ces 20 euros, juste pour voir si le jeu est mieux optimisé. Parce que un bon framerate, ça me donnerait l'envie de continuer à fond ce jeu, quoi. Enfin bon, qu'est-ce que c'est? Bah les pattes. Ça, toi? Regardez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Encore toi? Encore toi? Oh, hey, c'est ma réplique ça, calme-toi. Hein. Là-bas, il y a un panneau, ça c'est pour aller vers la Vierge fendue. Putain, mais c'est quoi ce roc au sanglier là? Le sud de la Vierge fendue, le roc au sanglier. Je suis bien vers le sud là. Bah oui. Oui, je suis vers le sud. Alors, la Vierge au sanglier, c'est peut-être dans le chemin là. C'est peut-être dans ce chemin là, parce que là je vois rien. Étant donné que la carte se dévoile au fur et à mesure. Ça c'est par contre c'est quelque chose d'assez chiant. Contrairement à Skyrim qui mettait notre carte à jour au moment où on obtenait une quête. J'ai entendu quelque chose. Ah! Un sanglier! Un sanglier! Ah ben on doit pas être loin de ce fameux roc. Hein, le roc au sanglier. On va. Hop là, tout ça c'est pour moi. Alors, il est venu par où? Il est venu par là, je crois. Il est venu par ici. Roc au sanglier. Quel est cet endroit? C'est éclairé là-dedans. C'est éclairé là-dedans. Il faut trouver l'entrée. Sauf que l'entrée, évidemment. Et je suis du mauvais côté. Tu paries? Tu paries, je suis du mauvais côté, il faut prendre l'autre route. Bon bah allons-y. Hein. Allons-y. Encore un petit sanglier. Viens ici, Piggy. Je vais te montrer qui c'est le papa, moi. Et viens par là. Allez, pique-moi ça. Ça c'est fait, encore de la viande. Ah tiens, est-ce que je peux... Alors c'est quoi déjà? Non, ça c'est s'accroupir. Ça, c'est pour le sort, on s'en fout. RT, c'est pour l'arbalète. Ça, c'est pour le raccourci. Merde, c'est quoi déjà? Fabrication, voilà. Alors, fabrication. Je voudrais savoir si je peux faire... Mais oh! Laisse comme ça. Est-ce que je peux faire des potions? Guérison légère. Oui. Hop là, cool! Ça, c'est fait. On sait jamais, hein, si jamais je me fais... Je me fais attaquer. J'aimerais pas être dans une mauvaise situation. Ça y est, il s'arrête de pleuvoir. Ah! Qui t'es, toi? Attaquez-le sur les côtés! Oula! Qui? Putain, c'est moi ou je le rate? Je vais te bouffer tout cru! Je vais te bouffer tout cru! Qu'est-ce qu'il veut? Allez, crève, toi c'est fait. Oh putain! Allez, crève! Qu'est-ce que c'est que ces vagabonds là? Oh, mais... Épée de la milice de Stewart. Je ne sais pas ce que c'est. 2 pièces d'or, c'est pour moi. Vous savez quoi? On va la prendre, voilà. Arc court pourri. D'accord, pas de ta merde. Bon bref. Bouclier, j'en veux pas non plus. Oh, il y a un coffre. Alors. Équerre de glace, je prends. Potion d'endurance mineure, c'est pour moi. Les flèches de feu aussi. Bande de chanvre. Certainement pour se soigner, oui. Coutelas émoussé, ça j'en veux pas. Grand bouclier en bois. Bon allez, on va le prendre. Ça me fera toujours ça à vendre. Du coup, putain, je me suis fait attaquer par des vagabonds, quoi. Des vagabonds. Je me suis fait buter par des gobelins dans la vidéo précédente. J'allais certainement pas me faire buter pour ça. Oh! Oh, il dort! Excellent! Excellent, il était en train de dormir. Allez. Crève, saloperie. Ça, c'est fait. Faut que je fasse gaffe à l'archer. Oh, putain! Merde, B, c'est sauté. Voilà, c'est... C'est... Voilà, c'est... Je me souvenais plus. Hop là, je me souvenais plus comment esquiver les coups.
Allez, bute-moi ça, le chef de la tribu de je sais pas quoi. Toi maintenant, viens par ici. Oh, il se protège le fumier. Oh, mais tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter ça. Et tu vas crever, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? 3 pièces d'or, c'est pour moi. Ah, je sais, ça va pas être une... Ça va pas être une vidéo ultra palpitante, hein, ça... Ça, je m'en doute bien. Mais bon, d'un autre côté, je m'en fous. Parce que moi, j'aime bien jouer à ce jeu. J'aime bien jouer à ce jeu et je trouve que vous le faire découvrir, ça peut être intéressant. C'est de là que je viens, hein, donc il faut passer donc par là. Il faut que je trouve une ancienne mine. Quel est cet endroit? Vers la Vierge Fendue, je m'en fous. Donc l'ancienne mine, ça doit être ici. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, vous savez quoi? On va faire comme... comme dans Skyrim. Une petite sauvegarde rapide, voilà. Un petit peu de café. Et on est parti. Alors. Voyons voir. Sauvegarde créée. Bah, j'ai l'impression qu'il l'a sauvegardé automatiquement, de toute façon. Alors, il faut que je trouve des bolets de fer. C'est que ça, des champignons, tout ça. Est-ce que je vais croiser des ennemis ici ou... Qui est-ce? Je sais pas. Apparemment, quelqu'un qui a besoin de moi. Voilà, mon grand. Quoi? Celui-là, il m'a l'air énorme. Alors, écoutons-le. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me tue au travail avec cette foutue pioche. Ah, si j'avais mon alambic, tout serait tellement plus simple. Je préparerais une formule et shazam! L'entrée de la mine serait dégagée. Où est ton alambic? Dans la vieille galerie dans laquelle je vis. Mais je n'ai pas le courage d'y retourner maintenant. Ma galerie est infestée de bêtes sauvages, tu vois? Maintenant que j'y pense, t'en aurais peut-être le courage, toi. Je vais aller récupérer ton alambic. Oh, vraiment? Oh, mais c'est merveilleux! Dans ce cas, je peux poser ma pioche et attendre que tu reviennes. Où se trouve ta galerie? Tu vas devoir quitter la mine et suivre le chemin vers le sud. Tu ne peux pas manquer la galerie si tu suis mes indications. Elle empeste le gobelin à plein nez. Ils s'y sont installés pendant que je suais sang et eau ici, avec ma pioche. Ah, saleté de créature! Oh, et depuis, je dois dormir ici. Cicéro vous aime bien. Cicéro a entendu la mère de la nuit lui parler. C'est moi l'oreille noire. Cicéro. Excusez-moi, mais ça m'a trop fait penser à lui. Oh, attends, c'est pas le même doubleur. C'est pas le même doubleur que Cicéro. Mais le mec tout aussi malade, hein, j'ai l'impression. Il est rigolo celui-là. Ah bah, au moins le doublage me fera rire. Oh, le doublage va me faire rire, hein, dans ce jeu, c'est hallucinant. Oh mon dieu. Alors c'est ici que je dois trouver des boléros de fer, non? Enfin des bolets de fer. Il me semble, hein. Attendez, j'ai vu quelque chose par là. Non, c'est pas par ici. Faut que je passe par là. Mais est-ce que je peux y aller là? Hop là. Ah non, je peux pas y aller par ici. Oh. Ah, oh, putain, bon, la carte. Comment on fait pour zoomer déjà? Oui, RT. Alors allons-y. Il y a quelque chose là. Ah, peut-être que c'est lui qui me... Peut-être que c'est lui qui me libérera l'accès. Peut-être, non? Après, j'aurai la mine à aller visiter. Ah, c'est cool ça. Vous savez quoi? On va faire ça. On va aller lui chercher son alambic et si ça se prouve on va avoir un petit donjon à faire là. Cette espèce de petite mine là. Ça va être cool ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, gros champignon. Gros champignon. Alors, il m'a dit de quitter la mine et d'aller vers le sud, je crois. C'est bien ça qu'il m'a dit, hein.
Quitter la mine et aller vers le sud. Alors, quête. Bolet de fer, jambes perdues et mine abandonnée. Alors, l'alambic doit encore se trouver dans la vieille galerie dans laquelle vit habituellement Digger, au sud du roc au sanglier. Mais méfiez-vous des gobelins qui rôdent. Alors, au sud. Là, je vais vers le nord, là, je crois. Au sud du roc au sanglier. Donc, ça doit être par ici. Je vais vérifier quand même. Ça, c'est assez chiant, hein, le fait de devoir... le fait de devoir à chaque fois vérifier sur la carte, c'est pas aussi intuitif que Skyrim. Ah, bah, voilà les gobelins, apparemment. Oh putain, le sanglier qui va m'emmerder. Oh là 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 là, allez, 4 contre 1, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, le sanglier. Ouf. Allez, toi, déjà, en moins. Le sanglier, il était énervé, là. Allez, deux en moins. Ah, je me débrouille mieux, là, hein. You say, oup, là. Qu'est-ce qu'il y a? Encore. Allez, vas-y, balance. Fumier de cochonaille. Allez, voilà, ça c'est fait. Alors, donc, on a croisé des gobelins, donc ça veut dire que ça doit être pas loin. Doit être pas loin sa tanière. Je pense qu'elle doit être pas loin. Comment je fais déjà pour Rengaine mon grand. Comment je fais pour rengainer déjà? Ah, oh, je sais plus. Ça s'est tapé. Je sais plus comment on fait pour rengainer. Bon bah tant pis. Oh, il y a un coffre ici. Alors, qu'y a-t-il? Ça, c'est à moi. Une pioche usagée. Allons-y. Anneau de l'arme des nuages. Oula, plus 7 puissance magique et plus 5 en mana. Ça peut être sympa, ça. Prendre des flèches, la torche... Bouah. Bon, allez, on la prend quand même. On y va. Entrée sud de la mine. Sud de la... Oh, merde. Sud de la mine... Ah putain. Sud de la mine, ça veut dire que c'est peut-être pas... c'est peut-être pas à cet endroit. Essayer de buter ces saloperies là. Des mouches vampires quand même. Ils t'ont inventé des mouches vampires. Oula. Alors j'ai obtenu un succès. Champion apparemment. Putain. Je me fais toucher quand même. Allez, crève, saleté, ça c'est fait. Est-ce que j'ai augmenté de niveau? Je crois pas, hein. Compétences et sœurs. Non, j'ai pas augmenté de niveau. Bah, je... C'est quoi ce succès? Attends, on va voir. On va voir... donc, succès. Alors, Arcania Gothique. Champion, éliminé sans adversaire avec des armes de mêlée. D'accord. On va essayer de voir un peu. Libérer le pont. Donc ça, c'est un événement scripté. Aux querelles de pouvoir qui dérèrent l'accès aux archives de Silver Lake, une audience auprès du grand maître de l'eau à Tocho. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Enfin bon, bon d'accord, mais c'était juste battre sans ennemis. Bon, ils sont pas fait chier, hein, pour trouver ce succès là. Mais j'aimerais bien. Oh. Donc là, le sud de la mine, de toute façon, il est bloqué. Apparemment. Danger gobelin. Je sais, mais... Ah, mais non, mais en fait, c'est peut-être... ouais, c'est peut-être ici. C'est peut-être ici, il va falloir que je bute les gobelins. Pour récupérer un alambic. C'est ça, je crois. Ouais, toi, je t'ai vu, toi. Essayer de te buter de là. Tiens. Ah, je l'ai raté. Tiens. Ouh, putain. Ce fumier m'a bien fait mal. Hein. Oh, je l'ai pas eu là. Oh putain. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Donc deux gobelins sont morts. Donne-moi tes pièces d'or. Plus la potion de mana. C'est super ça.
Qu'est-ce qu'il y a par ici? Rien. Les champignons, c'est pas à choper. Oh! Bonjour, monsieur. Tu vas être au corps à corps avec moi? Ah, attendez, il faut que je regarde quelque chose. Eh oui, je suis con. Eh, je suis con, j'ai oublié de... alors, inventaire, voilà. Arme de corps à corps, donc 9... Oh bah non, l'épée elle est à 8. Bon bah tant pis, je vais garder ma vieille machette pourrie. Ça se sera bien que je récupère un petit peu de stuff puissant là, parce que... Ça se fait un peu long, hein. Élixir de vue nocturne, je prends. Ouh, plus 7 santé, plus 6 armures, ça c'est bon ça. Ça aussi. Mineur de la prouesse. Oh non, de Dieu, ça c'est de la potion. Prof. À moi, et ça, je m'en fous. Alors, bon, bah, inventaire. Bah, excusez-moi si je vous explique... si je ne vous explique pas tout, parce que je pense que je vous ai quand même fait un assez bon résumé de la mécanique de jeu dans la première... dans la première vidéo que je vous ai faite de ce jeu. Je vais reprendre un peu de café, hein, excusez-moi. Donc, du coup, je vous explique pas trop, parce que... Je dois vous avouer que je ne pense pas que je vais faire une review de ce jeu. Je crois pas que ça serve à quelque chose. Bah donc du coup on va prendre non, un grand bouclier. Donc ça, je pense pas qu'on ait besoin. Alors où est-ce qu'il est le machin? Ah là, amulette de la ténacité. Bah on va l'équiper, écoute. Voilà. Plus 7 santé, plus 6 armure. C'est que du bonheur. Et ça, plus 7 en mana? Ah mais non, c'est soit une amulette, soit un talisman. Bon bah tant pis. Voilà, moi je prends l'amulette, c'est bien plus badass. Y a rien à choper ici. Faut que je trouve l'alambic de monsieur. Alors c'est quoi un alambic déjà? Bolet démoniaque. Je prends. Alors c'est les bolets de fer qu'il faut que je prenne, pas les bolets démoniaques. Ah, ou peut-être que je vais en fait arriver de l'autre côté. D'accord. Oh, un rat taupe. Un rat taupe. Des casteurs mutants. Allez, ça c'est fait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Combien il me faut de trucs, moi, pour augmenter de niveau? C'est affiché où, ça? Bon, c'est pas dans l'inventaire, je pense pas. Quoique, santé, mana, niveau 5. Ah, ça me montre pas, hein. Ah si, point XP Toto, 6529 sur 6742. D'accord, donc il me reste moins de 200 points, c'est cool ça. Moins de 200 points pour augmenter de niveau. Eh bah, on va s'empresser de le faire. Eh, je crois que c'est ça, j'ai vu juste. En fait, on a fait le tour, et pour nous éviter de nous retaper le chemin... Enfin, je crois, hein. Je crois que c'est ça. Ouais, de toute façon, on peut revenir, donc je peux y aller. Et pour nous éviter de nous taper... tout le chemin, on nous donne la possibilité de revenir via un passage... oula, il y a des fioles, ça c'est bien pour les potions mineures, ça. Potions de santé. Bon, les démoniaques, si tu veux. Alambic de digger, et voilà. Dôme des binges, qu'est-ce que c'est? Oula. La rune. Parmi les plus puissantes pierres runiques jamais façonnées figure une rune dont la création est attribuée à Yarkendar, communément appelée rune de pouvoir glacial. Certaines légendes racontent qu'elle a été brisée en morceaux par les mages de la cour du premier roi de Setarif. L'explosion résultante a causé la vie aux mages et les apprentis qui leur ont survécu ont, selon la légende, inhumé chacun des mages avec un fragment de la rune dans des lieux tenus secrets. Ouh là là, ça sent la grosse quête annexe. Cela pourrait être une légende, mais il est également possible que celui qui retrouve les tombes des mages détienne éventuellement la rune du pouvoir glacial. Ouais, c'est... Eh, nouvelle quête, les tombes d'oubliés, ça... Ça, effectivement, ça montrait le... Ça suintait la grosse quête annexe, vous voyez? Bien, bah c'est cool, ça. Maintenant, le mec, je vais pouvoir... Ah, mais attendez, mais je me suis pas... Je vais m'équiper... alors, inventaire.
Arme à distance. Parce que là, ouais, je me suis équipé de l'arbalète. Mais non, non, moi je voulais m'équiper de l'arc, moi. Voilà. On va s'équiper de l'arc, là. Et hop là. Donc, on descend. Salut mon grand. Bon, bah, on le réécoute, hein. Parce qu'il est quand même magnifique, celui-là. Ah, te voilà. Est-ce que tu as retrouvé mon alambic? Voilà ton alambic. Il ne me faudra pas longtemps. Et kaboum! La mine sera ouverte. Bien, la potion est prête. Maintenant, je vais... Oh, non, non. C'est toi qui as fait tout le travail. Alors amuse-toi un peu. Allez, fais fondre ces gravats. Fais fondre ces gravats. Allez-y, faites tout péter, messire. Putain, et... Toi, je t'aime bien, toi. Digger. Je me souviendrai de ton nom, toi. Digger. Un mec complètement psychopathe. Alors, appuyez sur A pour utiliser quoi? The fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une nouvelle mine. Enfin, un nouvel endroit... qui est à notre disposition. On va aller visiter par là, hein, parce que je vois que ça... ça fait le tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cristaux? On peut les casser? Non, on ne peut pas. Bon, tant pis. Bon, comment je faisais avant pour... Merde, quel con! Putain, j'ai pris une potion! Et j'ai augmenté de niveau, j'ai vu. Putain, mais comment on fait déjà pour... pour rengainer? Comment on fait pour rengainer, déjà? RB, RT, non, c'est pas ça. Putain, mais je me souviens plus comment on fait pour rengainer. J'ai essayé tous les boutons pourtant. Oh, mais. Bouton A? Non. Bouton B? Non plus. Bouton Y, ça c'est pour. Pareil. Fin... Oh putain, mais je sais plus. Bah, va chier. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui brillent? Là, ça m'intéresse. Filon de fer. Les minerais de fer. C'est cool, ça. Eh ben, on prend. Et j'ai remarqué, on avait une petite animation, genre... Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien. Bon, après, est-ce que ça va nous servir à quelque... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est... Qu'est-ce que c'est de l'eau? C'est un bug? C'est un bug ou... Je sais pas. Salut toi! Oh bah tant pis. Bon écoutez, on va continuer. Mais ouais, mais on dirait que c'est de l'eau. Ou alors c'est l'eau qui s'infiltre de l'extérieur, peut-être parce qu'il pleut. Je sais pas. Étrange. Étrange. Oh! Ah putain, je les ai pas vus! Les castors mutants! Bah, des rataupes, des castors mutants, c'est pareil, hein. Excusez-moi. Y'a que le nom qui change. Ah, donc ça c'est fait. Il va certainement y en avoir d'autres. Il y en a encore? J'avais cru voir un point rouge. Ah, d'accord. Et c'est. Voilà, c'est dans cette mine qu'à mon avis, il va y avoir les bolets de fer. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mettez-moi la paix. D'accord, c'est dans cet endroit qu'il va y avoir les bolets de fer. Eh ben c'est cool ça. Ben voilà, on va faire cette petite quête là, pépère. Putain, par contre j'entends des bum bum là depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. Ça rassure pas. Je sais pas si c'est parce qu'il y a de l'orage. Je sais pas du tout. Ah voilà, des bolets de fer. Et ben voilà un, il m'en faut trois. Il m'en faut trois. Ils sont indiqués sur la map. Ça c'est plutôt cool. Par contre, me dis pas qu'on va trouver un boss au bout de cette mine, hein, parce que. Oula, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Oh. De la vermine, messire. De la vermine. Oh putain. Puis c'est de la vermine qui masse. Masse XP, hein, j'ai envie de dire. Oh la vache, 35 points d'expérience. Putain, c'est plus que les rataupes, quoi.
Ah, ça c'est peut-être un problème, ça. Il y a un problème de cohérence, là, non? Enfin, bon. Tant pis, hein, moi, ça me fait masse XP. Mais je suis con, en plus, c'est marqué en bas... C'est marqué en bas, en plus, le nombre de points d'expérience qu'il me faut. Eh oui. Et bute-moi ça. Ah, mais ça rapporte pas d'expérience, ça, par contre. Hein. Ils ont pas été... Ils ont pas tout osé, quand même. Allez. Un petit rataupe. Les bruitages des rataupes, c'est assez bizarre. Hein. On a l'impression d'entendre des chèvres, là, des fois. Allez, le bolet de fer, c'est pour moi. On va faire le tour, hein, putain. Et je dis, encore une fois, je trouve que c'est plutôt joli. Hein. Encore une fois, putain, quel dommage que le framerate soit si bas. Oh, c'est vraiment un gâchis. Hein. Voilà. Et j'ai vu vos réactions, notamment... alors, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je crois que c'est Pierre Mécréant. Je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi qui m'avait expliqué comment s'était déroulé tout simplement le développement de ce jeu. Tu m'avais expliqué qu'il avait eu droit malheureusement à un développement assez chaotique, à plusieurs studios qui se sont refilés. Plusieurs studios qui se sont refilés justement le développement de ce jeu. Et tu m'avais expliqué en gros pourquoi est-ce qu'on avait ce résultat là. Je te remercie déjà de l'information, parce que moi je ne savais pas, je te dis, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, donc merci de l'information. Et puis sinon, ouais, voilà, franchement, c'est un gâchis, c'est vraiment un gâchis, parce que, honnêtement, qu'on soit clair, ce jeu-là, tel que je le vois, tu mets le framerate entre 40 et 60 FPS constant, tu changes quand même un minimum le doublage, quoi, parce que... parce que voilà, quoi, je veux dire, c'est n'importe quoi, le doublage. Vous avez vu l'autre taré tout à l'heure, là? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais tu changes, honnêtement, 2-3 choses à ce jeu, le framerate et le doublage, et franchement, je déconne pas, ce jeu aurait pu faire de la concurrence à des jeux comme Skyrim. Mais clairement, clairement, ce jeu a du potentiel. Ce jeu a vraiment du potentiel, mais comme c'est pas permis, quoi. Pour du con. Mais d'ailleurs, vous me direz, est-ce que cela vous intéresserait que je continue quand même parce que je vais pas vous forcer à acheter le jeu. Hein, faut peut-être pas déconner, même si sur Xbox 360, il doit quand même coûter une poignée d'euros. Hein. Moi, je l'ai eu pour 6 euros, je crois. Mais si jamais vous n'avez pas envie de débourser 20 euros pour l'avoir sur Steam, est-ce que vous, ça vous intéresserait que je continue le jeu pour qu'on puisse le découvrir ensemble? Parce que pour tout vous dire, ce jeu-là, étant donné que moi j'ai le temps, que je vais pas me mettre au review avant un petit moment, eh ben, je pense qu'à mon avis, je vais le continuer, ce jeu. Est-ce que ça vous intéresserait de le découvrir avec moi, justement? Moi, je trouve que ça peut être sympa. Bon, par contre, il n'y aura pas une dizaine de vidéos, hein, ça je vous le dis. Hein. Ou alors, s'il y a une dizaine de vidéos, ce sera une dizaine de vidéos, mais ce sera... comment dire? Ce sera répertorié sur un an, si vous voulez. Je compte certainement pas me spécialiser là-dedans. Moi, comme je vous l'ai dit, maintenant, je me spécialise, moi, dans les reviews. Quelques petites vidéos détentes de temps en temps, parce que être uniquement basé sur les reviews, c'est quand même assez gonflant, et puis au final, j'ai peur que ça me saoule un petit peu. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas découvrir ce jeu, en profiter pour avoir une petite bouffée d'air, comme ça. Est-ce que vous, ça vous intéresserait? Moi, en tout cas, moi, ça me brancherait bien, parce que je sais pas. Oh! Oh, un squelette! Oula, c'est... Gullard le maudit! Il a l'air costaud. Hop là, magnifique esquive. Il a l'air costaud, ce petit squelette. Ouf. Alors ça, c'est des vrais squelettes, ça, hein? Hein, Skyrim? Plutôt que vos squelettes à la mort moelle-neux qui crèvent en un coup. Voilà. Et puis 200 points d'expérience, ma gueule. Ça fait du bien. Alors, il y a un petit coffre tirelire cabossé. D'accord. Peut-être un objet de quête. Je ne sais pas. Alors, ah, le troisième bolet de fer est là. Impeccable. Oula, il y a du peuple ici. Bonjour, messieurs. Hop là.
Bon, j'aimerais bien buter celui qui reste là. Voilà. Bon, ils sont pas vraiment très dangereux, hein, c'est... Ouais, c'est des ennemis... Oh, puis ils font 3 de dégâts à chaque attaque. Ouais. Ça va, je me sens safe, hein. Je me sens plutôt, plutôt safe. Alors, est-ce que je peux ouvrir ça? Oui. Oh là, bon, c'est pas très bien fait, hein, quand même, hein. Et où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est, là? Oh, on est derrière la Vierge fendue! On est derrière... Putain, mais c'est génial! Putain, mais ça, mais c'est génial! Mais en fait, ils ont... Oh, du con. Alors, attendez, une petite lampée de café. Non, parce que là, c'est excellent, quoi. Si tu me dis que toutes les quêtes sont suffisamment bien agencées, que le monde qui nous entoure a été vraiment bossé pour nous emmerder le moins possible. Oh, mais génial. Oh, génial. Oh, ça va me plaire, ça. Oh, ta gueule, toi, la grosse. Je viens de te rapporter tes champignons, là. Alors, tu te tais et tu les acceptes. Alors, t'as trouvé les bolets de fer? Voici les bolets de fer. Ah bien, très bien. Alors je vais les plonger dans l'hydromel. Voilà qui est fait. Apporte le fût au camp des brigands. Dis aux gardes que tu veux franchir le pont. Je suis prêt à parier qu'ils te confisqueront l'hydromel et qu'ils l'engloutiront dans la foulée. Et après? Attends que les champignons fassent effet. Et les brigands seront plus inoffensifs que des nouveau-nés. Tu pourras leur demander de t'ouvrir la porte et en profiter pour surprendre Dartan et les autres brigands. Dartan ? On pourra surprendre Dartan ? Bien, allez, 500 points d'expérience. Alors, donc maintenant, il faut que j'aille sur un pont, apparemment. Enfin, il faut que j'aille vers un pont. Je sais pas où aller, par contre. Hein. Alors, le mélange. Alors, à vous d'apporter les emmêlants. Alors, c'est situé au nord de la Vierge fendue, cette fois-ci. Alors, le nord de la Vierge fendue, c'est pas par là où... là où on a vu les sangliers. Les gros sangliers! Vous aimez ça, les sangliers, vous, les Gaulois? Hèche, colonel! Alors, le nord, c'est par ici, non? Ah, c'est encore... le nord, non, le nord, pas du tout, c'est par là-bas. C'est par là-bas, le nord. C'est assez mal fichu, quand même. Hein. Ah, mais quoique, non, je suis con. Le nord, c'est la flèche orange sur la boussole. Ouais, mais ça aurait pu être quand même mieux agencé. Hein. Ça aurait pu être un petit peu mieux fait. Oh là là, putain. Regardez-moi ça. Mais quel dommage que les musiques ne soient pas aussi mises en avant, quoi. Je veux dire, ça aurait été excellent. Bon, on va augmenter de niveau avant d'y aller. Alors, compétences et sorts. J'ai 3 points de compétence à donner, messire. Alors, où est-ce que je peux aller? J'ai envie de le mettre dans le courage, moi. Puissance au corps à corps, plus 1%. Au corps à corps et à régénération d'endurance. C'est cool, ça. Allez, on va en mettre. Oh, j'ai dit... Ah oui, c'est Y. Voilà. Ensuite, ça. Puissance au corps à corps, plus santé. Hop là. Et la vigueur. Voilà, on reste classique. On accepte. Et c'est bon. Ah, ça va mieux. Ah, bonjour mon grand. Hey. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans les parages de toute façon? Ma guilde m'a envoyé ici pour surveiller la côte, au cas où les Myrtanians débarqueraient. Quelle guilde? Les forestiers de la vallée sanglante, s'ils sont encore en vie du moins. Pourquoi ça? Quand je suis venu ici, une grande partie de ma guilde avait rejoint Lord Gavaan pour aller affronter les Myrtanians dans la gorge de Torniara. Juste avant que Dartan ne prenne le pont, j'ai entendu dire que les Myrtanians avaient conquis la gorge et repoussé Gavaan jusque dans la vallée sanglante. Ça n'augure rien de bon pour ma guilde. Mmh. Bah écoute, on va s'empresser de libérer l'accès. Il y en a un là-bas. Oh! Oh, OMG! Oh putain! Excusez-moi! Oh, le doublage a l'air magnifique. Écoutons. Hé hey, le pont est fermé. Je me disais que tu me laisserais passer si je t'offrais un fût d'hydromel. T'as de l'hydromel?
Donne-le-moi. Tu me laisses passer, alors? Bien sûr. Si ton hydromel est bon. Oula, putain. Ouais, c'est moi qui l'ai doublé, en fait. Oh, putain. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Je ne te donnerai pas tout le fût, mais je te laisserai y goûter. Tiens, serre-toi. T'as donné de l'hydromel à Youlad, mais pas à moi ! Pas question que je te laisse franchir le pont ! Mais moi aussi, je veux me bourrer la gueule ! Autant pour moi, je m'excuse. Tiens, serre-toi une tasse. Je te connais ? Je me sens bizarre. Dis à tes amis dans le camp de m'ouvrir la porte. Quoi ? Oh, l'autre, il est en train de pisser derrière. Ouvrez la porte ! Qu'est-ce qu'il fait ? Wesh ! Elle saute ! Hop là ! Un petit saut ! Apparemment, j'ai augmenté de niveau encore. Allez, un en moins. Toi, Dartan, je vais te péter la gueule. Je vais te péter la gueule. Oh putain, il y en a un avec une espadon, j'avais pas vu. On va peut-être le buter en premier parce que... Ouh, putain, ouais. Je me disais, ça va... Il était le plus dangereux. Allez, crève, toi. Donc ça, c'est fait. On va prendre... Un petit peu de potion. Bon, qui c'est qui... Il manque quelqu'un. Oh putain, non. Putain, j'ai failli attaquer le mauvais. Ah d'accord, c'est lui. Bon, quelques légers problèmes d'IA. Comme on peut voir. Bonjour, monsieur. Raté. Ha ha. À l'assaut. Le vieux pillard moisi. Allez, dégage. Ça, c'est fait. Oh, un coffre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pièce d'or. À moi. Recette d'alchimie, des potions d'endurance mineure. Pourquoi pas. Ragoût de viande, je veux. Concombre, je veux. Homme de cuir ciselé. Ça peut être sympa à vendre, ça. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein. Je pense qu'on va aller... Hey! Pourquoi il l'a mis? Ah, peut-être parce qu'il l'a mis automatiquement, parce que j'en avais pas. Bon, remarque. Pourquoi pas. Alors. Toi, 5 pièces d'or, merci. Dartan, qu'est-ce que t'avais? Donc ça, c'est à moi. C'est à moi. Et c'est à moi. Voilà. De toute façon, tu l'utiliseras plus. À moi, à moi. Bien, donc là, je vais enfin pouvoir libérer l'accès au pont. Et il devrait plus y avoir... Il devrait plus y avoir de gens. Bon, par contre, j'ai encore augmenté de niveau, j'ai vu. Donc du coup, bah, compétences, hein, on y retourne. Un petit peu dans la précision, donc puissance à distance, si ça peut aider ça. Hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Votre visée devient plus facile pendant que vous bandez votre arc. Nécessite le niveau 4. Bah, je l'ai le niveau 4. Ah merde, non. Enlève-moi ça. Zèle, qu'est-ce que c'est ça? Boule de feu. Ah oui, donc ça c'est boule de feu, ça c'est éclair de glace et ça c'est foudre. Vous savez quoi, on va mettre ça là et ça là. Voilà, comme ça au moins je peux j'ai débloqué absolument tout. Je peux augmenter tout partout, moi. S'il vous plaît, monsieur. C'est tout bon. Voilà. Ça c'est fait. Plus qu'à ouvrir la porte. Hop là. Ah. Quelqu'un aurait-il besoin de mon aide? On va visiter un petit peu. Oh du con. Oh là là, putain. Non mais franchement. Franchement, ce jeu a de la gueule. Ce jeu a une putain de gueule. Mettez un framerate correct, s'il vous plaît. Oh, c'est vraiment ce qui manque. Tu es l'un des hommes de Dartan? Non, je viens de mettre un terme aux agissements de Dartan. Alors je peux enfin franchir le pont. Merci. De rien. Je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour pouvoir me rendre à Silver Lake. Silver Lake? Je crains que tu n'aies un problème, mon ami. Un problème? Comment ça? Eh bien, si tu veux te rendre à Silver Lake, en partant d'ici, tu vas devoir traverser la vallée sanglante. Mais le baron de Stewark a interdit l'accès à la vallée à cause de la bataille qui y fait rage. Personne ne peut passer sans autorisation. Dans ce cas, j'imagine qu'il va me falloir une autorisation. Où puis-je en trouver une? Tu vas devoir t'adresser directement au baron. À ma connaissance, lui seul peut t'accorder une autorisation. Et où puis-je trouver le baron?
Dans sa citadelle, au centre de Stewark. C'est la cité que tu vois là-bas, sur le rocher, au large. Ah. D'accord, donc c'est le gros château qu'on voit au bout, ouais. Eh bien, écoutez, on va peut-être y aller. Hein. Je pense. Enfin, quoique, on va y aller, je vois que ça fait 50 minutes. Ouais, bah vous savez quoi, je vous mettrai qu'une seule vidéo cette semaine. Mais ce sera une vidéo qui atteindra peut-être les 2 heures, voilà. Ce sera peut-être une vidéo qui atteindra les 2 heures. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là-bas. On va retourner à la Vierge Fendue. Et on va vendre un petit peu de notre stuff. Putain, c'est bizarre ce mec, j'ai l'impression qu'il avait le même doubleur que Lupin. J'ai l'impression qu'il a le même doubleur que Lupin, vous savez, dans Harry Potter. Je me souviens plus de son prénom. Comment il s'appelle déjà? Lupin. Son prénom, c'était quoi? Lupin. Le premier qui me dit Arsène, je lui pète la gueule. Qu'on soit clair. Le premier qui me sort cette vanne pourrie, qui prend un coup de pied au cul. Putain, Lupin. Oh putain, je sais plus. Oh, je sais plus. Bon, bah tant pis. C'est... Un petit trou noir. Bon alors, la Vierge Fendue, on va y aller. Putain, mais non, mais moi j'aime bien jouer à ce jeu. Voilà, puis comme je l'ai dit, ça sera une seule vidéo dans la semaine, mais au moins, elle durera 2 heures. Donc vous aurez le temps de la regarder. J'ai entendu un coq en train de gueuler. Est-ce que je peux buter un autre coq? Ça serait bien, ça. J'aimerais bien buter un autre coq. Enfin bon, dis voir, toi, est-ce que je pourrais te prendre comme compagnon? D'Artagnan est mort, le pont est de nouveau libre. J'ai entendu ça. Tu aurais pu me laisser quelques brigands. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais rester ici quelques temps, puis j'irai à Stewark. La vie est un peu plus excitante que dans cette triste taverne. Ah, c'est dommage, on peut pas avoir de compagnon. Putain, c'est ballot, ça. Alors, on va faire affaire avec la Gertrude. Alors, donc, moi, je vais vendre, hein. Moi, je vais vendre. Bon, bah, ça... on va le vendre, hein, ça me sert à rien. Arme à distance, non, on va tout garder. Rien de... Plus 1, puissance corps à corps, à distance, chose magique... Non vendable. Ah bah non, parce que c'est le porte-bonheur de la copine qui est morte. Oui, ça fait partie du scénario, en fait. Bon, on va vendre ça, parce que je m'en sers pas. Ouais, bah ça, je m'en sers pas. Allez, vends. Ça aussi, vend. En plus, ça vaut bien cher, les trucs magiques, c'est cool, ça. Alors, consommable, ça, je pense pas... Je pense pas que ça ait un quelconque intérêt. Ouais, non, on va garder. Ça, voyons voir. Petite perle. Alors ça, c'est uniquement du butin, apparemment. C'est uniquement du butin, donc je suppose que c'est fait pour vendre. Tidu, j'ai un truc de Facebook, tu vas te calmer. Pour vendre, hein. Alors... Bon, en fait, j'ai pas grand chose à vendre. Rune des 4 vents. Permet de vous déplacer plus rapidement pendant un temps limité. Bon, est-ce que j'en ai réellement besoin de ça? Je crois pas, hein. Mais vu la valeur, je pense qu'à mon avis, je vais rester... Je vais la garder, hein. Recette de cuisine, ça, je peux le vendre, ça me sert à rien. Ça, je peux au moins en vendre un. Ça aussi, je peux au moins en vendre un. Recette alchimique de l'élixir mineur de la prouesse. Ça, il faut que je regarde. Est-ce que je l'ai, fabrication. Donc, alchimie. Élixir de vue nocturne. Non, ça, je l'ai pas. Donc, du coup, inventaire. Direction, parchemin. Et donc, on va l'utiliser. Allez, hop là, à prendre. Et ça, je connais déjà, apparemment. Ça aussi. Et ça aussi. Bon. Bah écoutez, bon. Pour l'instant, tout se passe bien. Ça fait combien? 56 minutes qu'on est ensemble. Ah bah écoutez, je vais me refaire chauffer un petit kawa. Ah bah ça y est, il se remet à pleuvoir. Donc hop là, on va se stopper là. Non, c'est pas start, c'est select. On va sauvegarder.
on se stoppe là, voilà, sauvegarde créée. On met le menu Xbox en attendant. Et écoutez, ben, moi je vous reprends dans quelques petites secondes. On sera reparti pour une demi-heure, une heure. Allez, à de suite.